Nadia Mestaoui, je suis artiste et je travaille avec l'image, l'espace, les technologies pour créer des expériences sensibles, sensorielles. Les outils que j'utilise, donc que ce soit la projection, que ce soit des constructions physiques, intègrent quasiment toujours des éléments très technologiques, assez pointus. Donc j'ai beaucoup de capteurs, j'ai beaucoup d'ordinateurs, de logiciels 3D temps réel, des choses qui sont voilà, des outils technologiques. L'enjeu de ce sur quoi je travaille, c'est de connecter justement l'avenir de notre réalité aux sociétés les plus ancestrales qui vivent encore dans des mondes qui sont composés à la fois de réalités visibles et invisibles. Et à mon sens, en fait, justement, ces sociétés-là sont une source d'inspiration importante pour l'avenir qu'on est amené à construire. La genèse du projet, en fait, c'est la rencontre avec la Samaouma, qui est donc l'arbre sacré des Indiens à l'Amazonie, de cette région en particulier, qui m'a donné l'envie de travailler sur un projet spécifique pour parler de la valeur immatérielle de la nature, en fait, justement, de changer le regard qu'on porte sur la nature de façon générale et de se rendre compte qu'un arbre, c'est vraiment une vie, en fait. C'est vraiment une vie, c'est une énergie, c'est une intelligence. Bien plus que, voilà, que du bois et des feuilles. Là, ici, on voit l'esprit justement de la Samaouma, qui est une femme en fait, qui guérit, qui est quelqu'un qui est l'esprit de cet arbre en fait, mais qui détient toutes les connaissances de plantes médicinales et qui est là pour soigner, pour guérir, pour protéger. Et donc voilà, ce dessin-là, il symbolise justement le rapport qu'ils entretiennent à l'esprit de cet arbre. One Beat One Tree, donc c'est un des premiers projets que j'ai réalisé après mon premier voyage en Amazonie. Donc, il parle directement du rapport à la nature, à l'arbre, au vivant, en utilisant les technologies. Et l'idée, en fait, c'est de recréer ce triangle qui, en général, sont deux axes opposés, c'est-à-dire le rapport de l'homme et la technologie et le rapport de l'homme à la nature. Et finalement, de regrouper ces différentes visions à travers un seul et unique projet qui se matérialise d'une manière extrêmement technologique. Donc en fait, l'installation se fait sur 8 km d'élastique tendu dans l'espace, qui recrée un écran en volume. Chaque personne se met face à ce volume et par sa présence, par l'énergie du battement de son cœur, il va donner naissance à une graine qui bat, donc au rythme du battement de son cœur. Une fois que la graine tombe, elle fait pousser un arbre en 3D, un arbre virtuel, un arbre de lumière en fait, qui pousse sous ses yeux, à la fois au rythme du battement de son cœur, mais aussi en fonction de ses mouvements et de son énergie. Et l'idée, c'est que finalement, cet arbre est un reflet de chacune des personnes. C'est la vie de chaque personne qui fait pousser cet arbre virtuel. Donc chaque arbre est unique, numéroté, et chaque arbre virtuel qui est créé dans le contexte du projet est réellement planté dans un projet de reforestation. Et permet du coup à chaque personne, à travers l'immatériel, à travers la technologie, de recréer du vivant, de générer du vivant et de s'y reconnecter. Avec le projet One Big One Tree, j'ai planté jusqu'à présent à peu près 15 000 arbres. Plus de la moitié de ces arbres sont plantés dans la tribu Achaninka en Amazonie. Je suis en train de construire une vraie communauté en ligne dans laquelle chacun va pouvoir retrouver la trace de l'arbre virtuel qu'il a créé et de l'arbre réel et consolider finalement cette communauté, puisque l'idée c'est qu'il y en ait des millions. Le travail sur la Samaouma a aussi donné vie donc, au projet d'installation que j'ai présenté pour la première fois au sommet de la Terre de l'ONU à Rio en 2012. Il a aussi inspiré un projet monumental que j'ai imaginé pour la conférence sur le climat qui se tient à Paris en décembre 2015. Et l'idée en fait c'est d'utiliser les monuments de Paris pour en faire une sorte de scène urbaine sur laquelle on va pouvoir voir pousser des arbres virtuels. Donc en fait je vais transformer pendant la conférence sur le climat Paris en forêt, mais cette forêt en fait ce sera une forêt d'êtres humains quelque part, parce que l'idée c'est que chaque personne
va pouvoir télécharger une application. Et avec cette application, chacun va pouvoir planter un arbre virtuel qui sera réellement planté, encore une fois, dans un projet de reforestation. L'idée, c'est de faire de chacun un acteur et de faire en sorte que chacun puisse concrètement changer les choses, puisque finalement, planter un arbre, ça a énormément de conséquences. C'est remettre de la biodiversité sur les différents sites de reforestation, permettre à l'eau de rentrer dans les nappes phréatiques, générer des engrais naturels. Et donc l'idée, voilà, c'est de, par son action, par des micro-actions en fait, qui sont effectuées par chaque citoyen et par un acte symbolique poétique et artistique, on va générer du vivant et qui va générer plein de conséquences positives par la suite. Donc en fait, je travaille sur des chants sacrés qui viennent d'Amazonie, et ces chants vont générer des ondes à la surface de l'eau, et ces ondes en fait se font à la surface d'un bassin et se projettent sous forme d'un reflet lumineux sur une paroi, parce qu'en fait le fond du bassin est un miroir, et donc je projette une lumière dessus qui du coup reflète ces différentes ondes. Donc l'idée, c'est vraiment d'entendre le son et de sentir finalement toutes ces vibrations qui composent notre réalité. C'est un des premiers chants qui est chanté pour rentrer dans l'expérience. Nai Mampu Yubukan. Nai, c'est le ciel, on voit ici en fait. Mampu, c'est l'oiseau. Et Yubukan, c'est le serpent. Et donc ça raconte à la fois l'esprit de ces différents animaux, de ces différentes entités, et les visions qui se déploient pendant que ces chants sont chantés. Chaque fois, c'est tout un univers qui se déploie, qui est assez onirique, féerique, et dans lequel on voit encore ces vibrations colorées qui sont représentées sous forme de traits, de points colorés qui expriment aussi justement ces visions de couleurs qui sont directement associées aux chants. Et ça, c'est la version monumentale en fait de l'installation Waves of Light en fait, dans laquelle je travaille justement avec cette interface cérébrale qui me permet d'analyser les ondes cérébrales du chaman pendant qu'il chante. Et l'idée, c'est de voir cet invisible en fait qu'on ressent et dans lequel on est baigné en permanence, mais comme on est dans une société justement qui est construite autour du visible et du matériel, l'idée, c'est de reconnecter finalement cette sphère de l'invisible et de la donner à voir pour qu'on puisse se reconnecter justement à toutes ces facettes invisibles qu'on subit, qu'on sent, qu'on ressent, mais comme on ne peut pas les voir, finalement on amoindrit leur importance. En fait, depuis toujours, je suis passionnée de science. Depuis très longtemps, en particulier de physique quantique. La physique quantique, c'est la physique qui concerne l'infiniment petit, l'échelle du noyau d'un atome. Et depuis quasiment un siècle maintenant, on sait que les règles qui régissent la physique à l'échelle du noyau d'un atome ne sont pas exactement les mêmes que celles qui régissent notre monde macroscopique. C'est-à-dire qu'à l'échelle microscopique, la matière est également une onde. On est dans une logique onde-corpuscule. Et donc du coup, toutes les règles sont radicalement différentes. L'espace et le temps n'existent plus de la même façon qu'à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur peuvent coexister. Finalement, les logiques et les réalités qui se sont exprimées à l'échelle quantique, vu qu'elles ne correspondent plus à notre échelle macroscopique, ont permis d'ouvrir les possibles en fait, et surtout de considérer justement le fait que la matière elle-même n'est que vibration au même titre que toutes les autres vibrations qu'on perçoit dans notre réalité, à savoir le son, la lumière, les couleurs, les émotions, les pensées. Ce sont des différentes formes de vibrations, mais la matière elle-même est aussi une vibration. Ce qui motive ma démarche depuis le début, on va dire, c'est que je suis issue de deux communautés. Mon père est tunisien
et ma mère est belge. Finalement, le fait d'avoir accès à ces deux réalités, ces deux systèmes de croyances qui n'étaient pas nécessairement compatibles, mais qui correspondaient pour chaque communauté à une vérité unique, m'a permis d'une certaine façon de prendre beaucoup de recul par rapport au système de croyances dans lesquels les sociétés peuvent être et à voir en fait que les vérités sont multiples, mais que la richesse vient de la différence. J'ai une formation d'architecte à la base, architecte et urbaniste, et j'ai toujours été passionnée par les sortes d'utopies, en fait, les futurs possibles, les futurs vers lesquels on peut aller. Conscience, sacré, cœur, nature.